Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, pour la première fois sur la chaîne du Caribou Canadien, le jeu Drizzle Pad, déjà vu, live, sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Toujours là, Gwen? Ainsi, recommence la vie, animée d'une nouvelle soif de la destination. Quelle réalité nous attend aujourd'hui et là, à qui appartient-elle? Nous portons l'instinct de gravir, d'atteindre le sommet, mais qu'est-ce que la destination ou l'ascension elle-même? Il nous pousse vraiment, la curiosité est forte. Et le destin nous appelle, il est trop tard pour faire demi-tour. Curiosity is strong, and destiny beckons. Onward it is. J'ai rien compris. J'ai lu, mais pas concentré. Non, je pensais que c'était là. C'est zéro là. Oh! La mémoire est une chose bien curieusement tortueuse qui danse dans des cercles qu'elle seule connaît, tel un serpent qui se mange infiniment la queue. Il arrive que l'on soit convaincu que l'on a déjà vu quelque chose dans une autre vie, des échos d'une autre existence, familiarisée. Et pourtant, c'est bien la première fois que nous venons ici, non?
Il y a pourtant quelque chose de presque palpable, quelque chose que nous connaissons déjà, peut-être pas sous la même forme, mais suffit, nous chassant ces pensées gênantes pour mieux avancer et nous laisser surprendre par ce qui nous attend au prochain tournant. We shake the cobwebs clean and press forward, allowing ourselves to be surprised by whatever may lurk around the next bend. Un bâtiment en face, une tour. Il y aura toujours un endroit où nous serons interdits d'être. Des portes qui resteront fermées, des échelles que nous ne pourrons gravir. Il arrivera même des fois où nous apercevrons une opportunité ouverte à nous à l'espace d'une furtive seconde. Et si nous échouons à saisir l'instant, il disparaîtra peut-être à jamais. Deux inconnus qui se frôlent, deux molécules qui cohabitent temporairement, tant de montagnes à gravir, et si peu de temps pour le faire. Entrapercevrons, j'ai jamais vu ce mot-là. Bon, c'est tout ce que je voulais dire. Des échecs, on pourra pas monter, c'est clair. Oh, personne. Ça, c'est bizarre. Chaque maison a ses fantômes, chaque bâtiment est hanté. La moindre odeur familière, comme celle du poulet rôti, peut raviver d'insoupçonnables souvenirs et nous faire croire que nous sommes bienvenus. Que sera notre surprise quand on nous viendra frapper à la porte du bâtiment pour découvrir que nous sommes indésirables.
L'autre, celui qui s'en va en courant, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Là, il court, il marche tout le temps, je peux pas l'arrêter de marcher. Je vais changer la vitesse de marcher, mais pas l'arrêter. Est-ce qu'il fallait que j'aille plus haut? Non, je crois qu'il faut que je joue par là. Peu importe où j'allais, je pense que ça nous a amené ici de toute façon. La vie est faite de haut et de bas. Des abîmes de désespoir peuvent faire place à des élévations célestes et on peut tomber de très haut. Il vaut mieux se relever, et tandis que l'on s'élève et que l'on lutte pour se libérer de sa propre part de ténèbres, on subit également des ordres de minuscules insectes qui menacent de nous ronger le cerveau de l'intérieur. Parfois, le chemin est baigné de ténèbres et d'autres fois parfaitement lumineux, mais la plupart du temps, il n'est ni l'un ni l'autre. Toutefois, il est avantageux d'avoir une voie à suivre, sans quoi nous risquons de nous trouver à la dérive et de nous perdre. Le droit chemin peut s'avérer difficile, mais en général, nous avons de la sagesse de ne pas trop en écarter au risque de nous noyer dans notre complaisance. Toujours là, toi, t'as pas d'avoir dormi? La discussion, c'est pas ta force, toi. Hey, qu'est-ce que c'est ça? Des lapins! Des lapins! Elle est où, la hache? C'est lapin. Les lapins, les lapins, les lapins, les plus beaux de tous les temps. Les plus beaux de tous les temps. Les oiseaux avaient de la... Oh. La relation entre l'homme et la nature est au mieux fraternelle. Au pire, c'est une femme marâtre. Expulsée du vent, nous cherchons un réconfort des autres. Et que soit la vie et la nôtre, nous avons besoin de trouver notre espace dans le monde. Une part de nos jalousies, les créatures sauvages, blotties dans un entrail de la forêt, si seulement nous pouvions passer notre vie à rêver et trouver la sécurité que nous avons goûtée dans le tendre sein de notre mère. Inside our mother's tender confines. Et si t'as pas été allaité, pourquoi dans le trou?
En tout truc d'horreur, c'est dans la forêt. Mais ça, c'est pas un jeu d'horreur. C'est pas le jeu que j'ai en regardé tantôt. Parce que la forêt et le noir, ça fait peur aux gens. Monsieur, tant de portes qui se ferment devant nous, tant de visages flous dont nous ne ferons jamais la connaissance, telle est la semence déposée dans le ventre d'un amante. Les chances d'une rencontre fructueuse sont au mieux infimes. Comment le monde, tant si accueillant, a-t-il pu soudainement devenir si hostile? L'Orient offensé, nous ne serons peut-être jamais. Privés de reconnaissance, nous survivrons insténiément le bonheur et avançant inlassablement vers notre destination. Lacking acceptance, we settle instead for bliss and push ever forward toward our destination. Parfois notre destination est limpide, parfois la nature nous montre la voie, sous chaque pierre un secret qui nous attend, que d'être révélé à nous de choisir, de la soulever pour découvrir ce qu'elle recèle. Whether we choose to lift those rocks and gaze upon whatever lies beneath. T'as raison. Maison. La maison de Bernard. Ben oui, regarde ça toi la belle maison. Un autre bâtiment, peut-être, y trouvera un ami ou même un compagnon pour la suite de notre voyage. Rien ne serait surprenant. Nous faisons tant d'amis au cours de nos nombreuses vies. Qu'est-ce qui nous empêche de nous en faire un nouveau dans celle-ci? Un autre fantôme que nous apercevons du coin de l'œil, si proche et pourtant si lointain, et en
volatilisé avant de moindres contacts. Juste une énigme de plus. Il vient troubler un nouveau jour. Il n'y avait peut-être tout simplement rien à voir finalement. Tiens, l'autre est parti. Un ventilateur ou... Elle t'entend. Elle m'entend. Voilà le bon temps, voilà le joli vent, voilà le vent, vent, Marie Madeleine. Oh! Sort le 12. Madame la nature en face de nous. Pow! Nous créons la nature de nombreux égards, elle est aussi crainte souvent. Si nous est triste de voir la biche s'enfuir, elle sait sans doute que nous ne lui voulons pas de mal. Mais savons-nous vraiment de quoi nous serions capables en certaines circonstances? La mort d'un autre peut signifier la vie. Pour nous, vice-versa, nous ferions peut-être bien de suivre les traces de l'animal apeuré et nous-mêmes accélérer les pas. Je l'ai pas vu ce qu'il était. On va dire que c'est par là qu'il était. Oh, un autre animal. Sort de 12. Une balle dans la tête. Pow. Oh, calique. 3. Les rayons du soleil nous donnent la vie grâce à une générosité des plantes plus claire. Plus l'air que nous respirons est pur. Plus l'animal qui est en nous sent le paradis, la lumière et le jour nous enveloppe de la douce lueur et nous attire vers son sein afin de nous allaiter de sa chaleur. Alors moi les tétines de Gwen. Ils sont où les tétines? Voir une vache. J'allais dire quelque chose de méchant, mais je vais me taire. J'avais pour dire qu'il y en a une sur mon live chaque soir. Un jour peut-être. Le jeu on dit que le corps humain est composé d'environ 60% d'eau. Peut-être est-ce pour cela que nous attire en temps, pour qu'elle nous enveloppe, pour ne pas faire qu'un... Avec elle, retrouvez votre état naturel. Nous ne pouvons renier ce que nous sommes malgré tous nos efforts pour prouver le contraire. Le jeu coûte environ 3-4 euros.
c'est une conversion. Parce que souvent, ça arrive qu'il y a des jeux qui sont 5$ et ils sont quand même 5 euros, même si 5 euros, nous, c'est environ près de 8$. Et la lumière, la moindre petite flamme fascinante, paraît un repère pour tiraillant entre tant de directions à la fois. Sa chaleur offre déjà une salutaire réconfort à l'âme prisonnière de ses propres ténèbres glaciaires. Je vais me taire. C'est ça. Obéis. Il y a un village, là. Le village de la vallée de Dana. Le bord de la mer peut être le parfait endroit pour méditer sur toutes les vies que nous aurions pu vivre. Peut-être est-ce qu'il pousse certains à chercher les objets perdus, d'autres à coups de... électronique, et la plage peut receler tant de secrets, certains merveilleux, d'autres tragiques, mais tout précieux aux yeux de ceux qui fouleront le sable du passé juste pour voir ce qu'il y a, ce qui s'y cache. Ça fait peur, ton truc. Ça fait pas peur, ben non, j'ai pas dit que c'était un jeu d'horreur. C'est pas juste qu'on a regardé les vidéos avant de jouer, là. Si tu veux avoir peur, va voir dans le miroir, tu vas voir. Tu vas faire le saut. L'humour, tu connais? C'est genre. Mais il y en a qui n'aiment pas ce genre d'humour-là. C'est triste. Il y en a qui comprennent pas le deuxième degré non plus. Moi, je trouve ça extrêmement drôle. Mais... j'aime ça piquer les gens. Avoir des réactions. Pic, pic, pic. Oh, un phare. Ouais. Il y a des gens qui font tout personnel. Mille feux de follet illuminent l'obscurité, la promesse de autres chemins allume une lueur d'espoir, quoi faible il est parfois. Plus simple d'avoir un seul objectif fixe à poursuivre inlassablement, à nous dévier, on risque de se perdre, mais une fois de plus, qui ne tente rien à rien. Tiens, ta voiture. Ici en France, c'est tout est sensible sur l'humour, dans toute la gueule. Je suis bloqué.
Un mandingue, un mystère, enfin. Regardez les émissions, merde. Koé, tu l'aimes toi? J'ai dit Koé, tu l'aimes? J'ai manqué un bout, quoi. Qu'est-ce que j'ai manqué là? Ouais, c'est ça. Non, j'ai manqué quoi là? J'aurais cliqué sur le phare. Que j'ai manqué. Le jeu nous envoie vers l'avant depuis le début et là je vais vers l'avant et... Qu'est-ce que j'ai manqué? Bon, on va regarder du côté de l'eau comme ça.
temps. J'ai réussi à bloquer dans un jeu. Dans le jeu. On va aller au bout. On va revenir. Je vais aller voir la voiture rapidement. Le jeu va vers l'avant depuis le début. Hostie. Allez reculer. Un aigle. Un peu de grenouille. Ne me mange pas. Est-ce que je devais retourner vers le phare ou je devais retourner par ici? Je regarde à gauche ou vers la droite? Non, c'est autre chose. C'est nouveau, ça? Nous vivons et nous mourrons tous dans des cages que nous avons nous-mêmes construites. Certains d'entre nous détiennent les clés de nos prisons et se permettent quelques rares évasions. Toutefois, nous finissons toujours par revenir. Car dans l'isolement, nous trouvons du confort et de la sérénité dans la sécurité. Rock est mort.
On dit qu'un corps adulte contient jusqu'à 7 litres de sang. Combien de corps faudrait-il pour produire une averse? Combien d'atrocités faudrait-il commettre pour remplir une piscine, un océan? Mais trêve de considération incapable. Il pleuve ou il saigne, qu'il saigne. Nous devons avancer, avancer sans cesse, sans jamais oublier notre destination. Je parle, monsieur. Moi, je suis un Schtroumpf, puis ça, c'est Gargamel. On trouvera toujours des jaloux de nos ambitions, tels qu'un rat prisonnier du même labyrinthe traquant le même bout de fromage rance. La victoire nous appartient, même s'il est possible que le destin y joue un rôle. Et s'il peut y avoir plusieurs gagnants, malheureux, malheur à celui qui aura l'infortune de découvrir le sort des perdants. But woe be to him who has the misfortune to discover what happens to those who lose. On a que fait peur, lui. Tant qu'il bouge pas. Dans la neige. Ok, qu'est-ce que j'ai manqué? Ah. For much of our lives, nous passons notre vie à chercher des chaleurs, pourtant il y arrive parfois. Il arrive que le froid soit préférable, parfois l'obscurité est plus bénéfique que le rayon de soleil, parfois nos épreuves nous renforcent et nous permettent d'avancer vers notre destination avec une énergie renouvelée. Je vérifie quelque chose. Ça dit full game 30 minutes. Ça fait 45 minutes que j'y joue. On fait en VTT ou quoi? «
Nous pouvons choisir de voir le monde en noir et blanc, mais il est tout le contraire. Les minuscules nuances qui colorent notre existence paraissent d'abord invisibles, mais ils regardent de plus près, on peut voir se dessiner les plus séduisantes fêlures. Et à travers elles, les coloris les plus inattendus, on ne devrait jamais peindre le monde d'un seul coup de pinceau. We should never seek to tarnish our world with a single brush. Cette attitude de la nature impitoyable après tout ce chemin, nous n'avons qu'une idée en fixe. Nous voulons voir la vérité de nos propres yeux. Amène au magnifique. Elle mérite d'être découverte. Son prix sera le nôtre. Devant l'impossible, nous devons apprivoiser même la plus insurmontable des tâches pour receler une solution pour celui qui accepte de changer son regard sur le monde. Acceptons-nous de relever le défi, portons-nous la queue entre les jambes. Seulement la vérité nous appelle. Il serait incorrect de la décevoir.
Oh! Fatalement, notre programmation nous conduit à la révélation, même la plus amère. Nous ne recevons pas toujours les réponses que nous attendons. Pourrait-il alors que notre voyage ne servit à rien, sauf à montrer que nos vies ne sont qu'artifices, notre intelligence au mieux artificielle? Non, l'existence ne peut être aussi cruelle. Le mieux est peut-être de fermer les yeux, de lâcher prise pour une nouvelle fois. Se réveiller. Bon, c'était tout pour cette merveilleuse aventure du jeu. Drizzle Pat. Déjà vu live de la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah! Salut 38 Prime, ça va? Un autre jeu terminé qu'on rajoute sur la liste.